Rome via Veneto. Les cariatides menaçantes qui flanquent l'entrée monumentale de l'hôtel Excelsior ne seront pas les figures les plus inquiétantes que nous allons rencontrer dans cette histoire semée de scandales et de morts violentes. C'est là, dans cet hôtel réputé de la capitale italienne, qu'un formidable contre-pouvoir va se constituer. Les hommes les plus influents du monde politique et économique fréquentent les lieux. Rendez-vous, la suite 127, quartier général d'une société secrète, la loge maçonnique P2. On vante son influence et sa puissance occulte. Il faut s'inscrire à la loge, car chacun compte sur elle pour une promotion, pour conclure une affaire, pour entretenir des contacts fructueux. En 1980, les demandes d'adhésion affluent plus que jamais. Son chef, Licio Gelli, maître vénérable, un industriel du textile qui a accumulé une fortune colossale et qui sait attirer les plus hauts appuis. Mais ces intrigues courantes au royaume de la Combinazione cachent des objectifs plus ténébreux. Au service de ses chefs, la P2 va couvrir un complexe réseau d'influence politique, trafic, corruption, espionnage, chantage. Leur champ d'action est international. Genève, à l'écart des intrigues romaines ou milanaises, est une base d'opération et un rendez-vous fréquent pour les hommes de la P2. Pénitencier d'Otisville, New York. Michel Sindona. Son empire bancaire s'est effondré. Il est condamné à 25 ans pour escroquerie. Lui qui fut la gloire de la finance italienne, le sauveur de la lire. Début 81, une enquête sur ses tribulations met deux juges sur une piste brûlante. Elle les mène chez un certain Licio Gelli. C'est le commencement de la fin. 17 mars, Arezzo et Rome sont les cibles. Tout d'abord, la Toscane. 50 policiers quittent Milan au petit matin, secret absolu. Interdiction de contacter les autorités locales d'Arezzo. Trois groupes foncent. À l'hôtel Excelsior, au domicile de Gelli, à la périphérie d'Arezzo, et à quelques kilomètres de là, à la Giole, l'usine textile dont Gelli est directeur, l'homme est en fuite. C'est questo che significa. Okay. Mais un butin stupéfiant est découvert et saisi. Des masses de documents officiels ultra secrets, des fiches sur la vie privée et le passé politique de milliers de personnalités, et une liste. 962 membres de la P2. Tous les chefs des services secrets. Trois ministres en exercice. Le chef d'état-major de la défense. Des responsables de la télévision. 43 parlementaires. Des financiers. Des patrons de presse. Des chefs d'entreprise. Des magistrats. Tous les postes clés de l'État, de l'armée et trois banquiers, Michel Sindona, Umberto Ortolani, Roberto Calvi. L'Italie est en ébullition. Les accusations, réelles et imaginaires, pleuvent sur la P2 qu'on dit préparer un coup d'État. Le gouvernement est emporté par la tempête. Giovanni Spadolini est chargé de dénouer la crise. Chose jamais vue en Italie, le nouveau Premier ministre n'est pas démocrate chrétien. Les têtes tombent, la loge P2 est interdite par le gouvernement. Le Parlement nomme une commission d'enquête pour examiner les implications politiques de la P2. Parallèlement, des poursuites pénales sont engagées contre le noyau central de la loge, une vingtaine d'hommes parmi les plus compromis, dont Gelli et Ortolani en fuite en Amérique du Sud et en Suisse. La commission parlementaire est présidée par une femme, la démocrate chrétienne Tina Anselmi. Allora,
Un circuit de télévision interne permet à la presse de suivre les auditions de la commission. Elle siège depuis 2 ans, le mardi et le jeudi. Ce jour-là, 4 responsables francs-maçons sont interrogés. Il y a 350 ans, dans ce palais de San Macuto, Galilée était jugé par l'Inquisition. Pour la première fois, une télévision est autorisée à pénétrer dans le sein des saints de la commission, ses archives, sous la conduite de son secrétaire. Dans cette salle de consultation qui est gardée, vous voyez, par la garde des finances, il y a tous les documents qui ont été pris par la commission, ou directement, ou envoyés par des autres autorités judiciaires à la commission. Tout ça, c'est les séances de la commission. Les jours sont toutes les séances de la commission avec les personnes qui ont été interrogées par la commission. Et c'est les comptes rendus scénographiques de la commission. Les autres, les grilles, ce sont les documents que vous voyez. Le total de documents, c'est 300 000 pages de documents qui peuvent être consultés et lus seulement par les membres de la commission et les membres du staff qui travaillent avec la commission. La fameuse liste de la P2 et d'autres documents ont été publiés par la commission dans un volumineux rapport. La liste est incomplète, sa numérotation est fragmentaire. En réalité, on estime que Jelly avait autorité sur 2 à 3 000 frères. Mais qu'est-ce que la P2? L'origine de la P2 est quella di essere una loggia segreta, coperta. L'origine de la P2, c'est d'être une loge secrète, couverte, une émanation du Grand Orient. Il y a des rapports contradictoires entre la maçonnerie et la P2, mais cette origine maçonnique lui a permis de croître, de se développer derrière une façade et une crédibilité que la P2, on peut le dire aujourd'hui, ne méritait pas. P2 signifie propaganda due. La P2 non meritava. P2 infatti significa loggia propaganda 2. Ed è appunto una loggia segreta. C'est une loge secrète, couverte, qui réunissait les personnes les plus importantes qui, justement parce qu'elles étaient importantes, demandaient à rester inconnues des autres frères maçons. La commission vient d'étendre l'enquête au reste de la maçonnerie. Elle s'est fait remettre les noms des 27 000 maçons italiens classés dans ses coffres. Pourquoi ? Je peux seulement vous dire qu'il y a certainement une grande responsabilité de la maçonnerie dans la façon dont elle a laissé prospérer et agir la P2 comme nous avons pu l'établir. Reste à examiner s'il y a des connexions douteuses entre la P2 et l'ensemble de la maçonnerie. La loge secrète a, semble-t-il, profité de la solidarité et de la respectabilité des maçons, et surtout du Grand Orient d'Italie, dont elle dépendait. Lucio Gelli a été exclu de la maçonnerie à fin octobre 1981 et expulsé définitivement après le rejet de son recours. Quels sont les motifs ? Il y en a deux principalement. D'abord, d'avoir accordé une interview au Corriere della Sera sans l'autorisation du grand maître, celle où il se définit lui-même comme le marionnettiste. Et le second motif, plus important, est d'avoir géré au mépris, ou en tout cas en dehors des constitutions maçonniques, un cercle privé improprement dénommé Loge maçonnique P2. Denominato impropriamente Loggia Massonica P2. En Suisse, le pendant du Grand Orient d'Italie, c'est la Grande Loge Alpina. Elle réunit près de 4000 maçons. La franc-maçonnerie, c'est avant tout l'école de la sérénité. Le franc-maçon se retire loin du tumulte du monde pour découvrir ce qu'il est par rapport à l'immensité de l'univers et par rapport à l'éternité, un grain de sable et un instant. Mais alors, qu'en est-il de la loge P2 et de Lucio Gelli? Gelli, regardez. Ce crâne vous dit, tu vois ce que je suis, tu seras
Ce que je suis, j'ai été ce que tu es. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu ces paroles, frère, souviens-toi que tu dois mourir, tu n'es qu'un pèlerin mélancolique qui erre sur la surface de la terre assombrie. Où est la place dans ces considérations pour des questions d'ambition personnelle, de privilèges, de fortune? Ces considérations sont totalement étrangères à l'essence de la franc-maçonnerie. Vous ne connaissez donc pas Jelly? Je n'ai aucun rapport quelconque, ni avec lui, ni avec aucun membre de son organisation. Donc vous ne connaissez pas non plus d'autres membres de l'organisation de la loge P2? Non, monsieur. Quel est le danger que représente la P2 au sein du pouvoir italien, de l'État italien? Beh, possiamo dire che il vero problema al quale dobbiamo dare una risposta al Parlamento e al Paese. Eh bien, nous pouvons dire que le vrai problème auquel nous devons apporter une réponse au Parlement et au pays est de vérifier si la P2, dans son fonctionnement, dans ses rapports avec la finance, la politique, les services secrets, le monde de la presse et des moyens de communication, a pu développer un pouvoir tel qu'il a corrompu ou réduit le pouvoir légitime tel qu'il repose sur le consentement des citoyens et sur le rôle des institutions. C'est ça la réponse politique que nous devons apporter. 2 août 80. Attentat à la gare de Bologne, 85 morts. En 82, un Italien en prison à Genève déclare avoir les preuves que Jelly et la P2 ont commandité l'attentat. Mais ces documents sont faux et il se rétracte. Il affirmera avoir été payé par les services secrets italiens. Curieusement, c'est Rome qui paie sa caution. Que cache cette intrigue qui implique des juges italiens venus enquêter illégalement à Genève? Le terrorisme fait-il le jeu de la P2? La stratégie de la P2, c'était une stratégie qui avait besoin du terrorisme. C'est-à-dire, avec le terrorisme, on pouvait demander un changement autoritaire de l'État. Alors, plus terrorisme, plus assassination de Moro et d'autres gens, et plus c'était possible une gestion de l'État autoritaire, un changement de l'État en sens autoritaire. Par contre, vous ne croyez pas beaucoup à la thèse du coup d'État? Non, je ne crois pas que la P2 était une organisation pour faire un coup d'État, c'était plutôt une organisation pour déplacer les pouvoirs de l'État dehors des institutions, dans les mains de gens qui étaient organisés dans la P2. Et alors, c'est-à-dire une infiltration dans l'État, une infiltration dans les institutions les plus centrales de l'État, comme les militaires, les services secrets, et l'autre finance publique, etc., etc., pour vider l'État de ses pouvoirs et pour mettre ses pouvoirs dans les mains d'une organisation autre que l'État. Nous savons que les derniers services secrets dans 1977 ont été nommés, avant l'affaire Moro, tous les trois responsables, soit des services secrets militaires, soit des services secrets civils, soit de la coordination des services secrets, sont dans la loge P2. Et alors on peut dire que dans l'affaire Moro, les services secrets et les forces d'ordre, c'est-à-dire les carabiniers et la police, ont été complètement inactifs. Nous savons que d'autres gens qui ont fait des enquêtes sur l'affaire Moro, pendant les jours dans lesquels il était dans les mains des brigades rouges, sont de la P2. Et nous avons beaucoup des événements, des histoires dans l'affaire dans laquelle nous retrouvons des gens qui sont P2. Nous pouvons dire que Jelly est certainement un personnage qui a eu un grand rôle dans la P2. Nous sommes cependant nombreux à penser qu'il ne peut pas être le véritable chef de la P2. On a parlé du rôle d'un ministre notamment. Jelly a eu plusieurs rôles. Il a eu certainement un rôle de relations publiques. Il est très fort dans ce domaine.
Il a eu un rôle dans d'autres domaines aussi. Mais surtout si nous considérons certains rapports avec le monde politique, disons mieux avec les problèmes politiques, avec les problèmes financiers, nous ne croyons pas que les aptitudes et les qualités de Gelli soient suffisantes pour remplir ce rôle. Non crediamo che le attitudini, le qualità di Gelli fossero sufficienti per svolgere questo ruolo. En 1936, Mussolini envoie des troupes en Espagne appuyer le général Franco. Licio Gelli a 17 ans. Il est trop jeune, alors il falsifie ses papiers pour aller se battre comme volontaire dans un bataillon de chemise noire. À son retour, il retrace ses hauts faits dans un livre, Fuoco, tiré à 500 exemplaires. Mais ses études sont médiocres et il doit les interrompre après une bagarre politique avec son proviseur. Puis c'est la guerre, et il est mobilisé sur le front yougoslave. Tout cela est décrit dans un livre de Gianfranco Piazzesi. Ancien directeur de journal, il a été mis à la porte sur intervention de Gelli pour avoir remué un passé trop nauséabond. En 1943, Gelli refuse l'armistice. Il se rallie à la République de Salò. Dopo ritorna alla fine nel 1943. L'ultimo anno di guerra in Italia. Ensuite, en 1943, dernière année de guerre en Italie, il revient à Pistoia, sa ville natale, comme officier de liaison entre l'armée allemande et les militaires républicains. Il est l'unique Italien en uniforme allemand à Pistoia. In divisa germanica nella che abitava che a Pistoia. A questo punto, però, lui aveva una sorella comunista. À ce moment, il avait une sœur communiste qui avait épousé un communiste. Et grâce à cette sœur, il fournit des renseignements aux partisans de Pistoia. Et c'est ce qui lui sauve la vie. À la fin des hostilités, arrêté, Gelli n'hésite pas à livrer déjà une liste d'anciens camarades républicains de Pistoia. Subito dopo il Partito Comunista che allora era la. Immédiatement après, le Parti communiste italien qui à l'époque était rigoureusement aligné sur le Parti communiste soviétique, nous sommes en 1945, le prie de continuer à informer les services secrets de l'Est sur ce qui se passe dans les milieux d'extrême droite. Et lui, il poursuit cette activité au moins jusqu'au milieu des années 50. Gelli, toute sa vie, a toujours joué sur deux tableaux. D'abord, il a été fasciste et communiste, ensuite communiste et démocrate chrétien, et enfin démocrate chrétien et franc-maçon. Le pouvoir de Gelli a commencé à la fin des années 60, quand un des chefs des services secrets, M. Lavene, qui était dans une position centrale des services, a amené des dossiers secrets, des dossiers sur milliers de personnes en première position en Italie, qui a porté ça en dot à Gelli comme un instrument de ricatto, de chantage. Et on a une, on sait ça parce que on sait que Gelli a une archive. Cette archive maintenant c'est dans l'Uruguay. L'État italien a obtenu une petite partie de cette archive, et dans cette petite partie de cette archive, on trouve de la documentation qui vient des archives des CIFAR. CIFAR, c'était les services secrets italiens à la fin des années 60, et M. Lavene, le colonel Lavene, venait du CIFAR. Ça, ça a été donc prouvé. Oui, ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Alors, c'est clair que ça, c'est les. Le commencement du pouvoir des chantages de Gelli vers la classe politique italienne. Ses contacts dans le monde du renseignement lui ouvrent d'autres portes, le commerce des armes, dont proviendrait l'essentiel de sa fortune.
On dit même qu'il a participé à des transactions pour la vente de missiles Exocet à l'Argentine. Maintenant, il y a une enquête judiciaire très importante et probablement la loge PD, c'est une loge, une section de la loge PD, c'est une section qui était spécialement dédiée à l'organisation du trafic d'armes. Et vous savez très bien que pour organiser le trafic international d'armes, il faut avoir le consensus des services secrets. Et alors, ça, c'est une. La loge, c'est le point dans lequel tout ça se mettait ensemble. On a parlé notamment de trafic triangulaire entre l'Italie, la Libye et l'Argentine. Oui, et ça a prouvé que dans la première partie des années 70, 1973, 1974 et 1975, il y avait un trafic triangulaire armement, pétrole entre Italie, Argentine et Libye. Et Gelli, c'était l'organisateur et les médiateurs de ce trafic avec l'Argentine de Perón. L'Argentine et son ambassade à Rome jouent un rôle capital pour Gelli. Double national depuis 1974, il est conseiller économique de l'ambassade. Il obtient même un passeport diplomatique argentin. Il doit ses faveurs au général Perón. À la mort de Perón, il s'appuiera sur le sinistre José López Rega, puis l'amiral Massera, tous deux de la P2. En Italie, on voit Gelli avec tout le monde, avec le pape Paul VI, avec le président Giovanni Leone, avec le premier ministre Giulio Andreotti, que certains soupçonnent d'appartenir à la P2. Des relations qui ouvrent toutes les portes à Gelli et qui lui permettent d'accéder aux affaires les plus fructueuses. Certainement, Gelli a fait de grandes affaires. Il a commencé en vendant des chiffons et aujourd'hui sa fortune dans le monde entier, y compris dans les banques suisses, se chiffre en millions de milliards de lire. Mais le scandale P2 éclate. Gelli se réfugie en Amérique du Sud. Les accusations pleuvent sur lui. Conspiration contre l'État, espionnage politique et militaire, association de malfaiteurs et autres accusations de caractère politique. À quoi s'ajoutent des délits de droit commun, trafic d'influence, dénonciation calomnieuse, escroquerie et participation à banqueroute frauduleuse pour avoir touché des fonds du banquier Roberto Calvi. C'est au siège de l'UBS à Genève que Gelli a déposé une partie de sa fortune. Sur 7 comptes numérotés, plus de 100 millions de dollars. C'est là qu'il se fera piéger. L'inspecteur qui l'a arrêté, Gérard Cuchel, ne veut pas montrer son visage, mais il raconte, pour la première fois. Le 13 septembre 1982, en fin de matinée, c'est M. le juge Foy qui m'a téléphoné pour m'aviser que M. Berlusconi, procureur général du Tessin, avait une information comme quoi un nommé Ricci devait se présenter dans un établissement bancaire de la place à 15h. Et ce personnage, selon toute vraisemblance, devait s'agir du nommé Gelli. Monsieur Berlusconi s'occupait de l'instruction de l'affaire Carboni. L'affaire Carboni est donc une affaire en parallèle avec celle de Gelli. Donc on peut supposer que les informations viennent de ce côté-ci. Elle était annoncée pour 15h et en fait, celui-ci est arrivé peu après 14h. Ce monsieur Ricci a été mis dans un petit salon pour patienter, et c'est ainsi que je me suis trouvé nez à nez avec le personnage en question. Alors là, je dois ouvrir une petite parenthèse, parce que sur la base de la photo qui nous avait été fournie par les autorités italiennes, le personnage était totalement différent avec celui qui figurait sur la photo de la diffusion. Je lui ai posé la question s'il avait des papiers sur lui. Il m'a remis son passeport. Je lui ai posé la question s'il parlait français. Il m'a dit qu'il parlait uniquement l'espagnol et l'italien. On a eu un dialogue un petit peu difficile, mais au bout de quelques instants, il a quand même admis qu'il s'agissait de faux papiers. Est-il exact que ce passeport, tout en portant un faux nom, est un passeport délivré officiellement? Pour nous, apparemment, c'est une pièce authentique. Ensuite, nous avons encore fouillé l'intéressé avant de le transférer à Chandelon, et c'est lors de cette fouille que nous avons trouvé dans son slip une clé de safe. Cette clé de safe concernait un coffre dans un établissement de Genève où nous avons été procédé à une perquisition
avec le magistrat et en présence de l'intéressé, Djeldi donc. Alors l'inventaire nous a permis de découvrir une certaine quantité de lingots d'or de 1 kilo jusqu'à 12 kilos, le tout représentant une somme supérieure à 1 million de francs suisses. Et ce coffre était à disposition de Djeldi depuis une dizaine d'années déjà. Lui-même n'avait plus eu l'occasion d'y retourner. Ce qui est drôle, c'est qu'une institution comme l'Union des banques suisses, qui est une institution très importante, très forte, a donné la possibilité d'arrêter un personnage comme Djeldi à l'intérieur de sa banque. Ça, c'est très drôle. Je ne connais pas la suite, mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Le silence obstiné de l'UBS ne rend pas les choses plus claires. Que venait faire Djeldi à Genève? Certainement pas retirer ses millions, il y a des façons moins risquées de procéder. Alors est-il tombé dans un piège? Ou alors, convaincu de l'impunité, est-il venu au renseignement? Car trois jours avant, le juge d'instruction sommait la banque de lui remettre tous les relevés de compte de Djeldi. Le compte a été bloqué ultérieurement, après son arrestation. Le juge bloque le compte en rendant une ordonnance qu'il notifie à la banque, en lui donnant assez d'éléments pour lui faire comprendre qu'il s'agit d'une affaire pénale. C'est donc là la limite du secret bancaire. En ce qui nous concerne en Suisse, la limite du secret bancaire, effectivement, se trouve lors du début de la découverte d'éléments qui permettent de croire qu'il y a une infraction pénale. Et quels étaient ces éléments qui permettaient de croire à cette infraction? Il y avait l'allégation que certains fonds était de provenance douteuse et nous avions le devoir de faire une enquête à ce sujet. Avez-vous pu vérifier l'origine de ces fonds? Pour une partie des fonds, on a pu retracer leur origine en remontant jusqu'à la source. Pour une autre partie, cela n'a pas été possible au vu des informations qui étaient en notre possession, mais les fonds sont restés bloqués. Ces fonds provenaient du Banco Ambrosiano? Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'ils étaient d'origine délictueuse? Je ne peux pas vous répondre non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces fonds n'ont pas été libérés, malgré que les avocats de Djeldi en aient fait la demande. Au lendemain de l'arrestation, Dominique Poncet, avocat de Djeldi, défendait la version de son client devant toute la presse italienne et locale à Genève. L'argent saisi ne provient pas de la banque Ambrosiano, affirmait-il. Aujourd'hui, il ne veut plus parler. L'Ambrosiano, c'est la banque dirigée par Roberto Calvi, la plus grande banque privée d'Italie qui s'est effondrée trois mois avant. Mais les communiqués du procureur du Tessin qui a lancé l'enquête en Suisse contredisent l'avocat. Les recherches judiciaires à l'UBS ont bien pour but de retrouver des fonds disparus de l'Ambrosiano. Alors, qui a mis le procureur Bernasconi sur la piste de Djeldi? Le procureur se tait, mais plusieurs hypothèses sont avancées. Probablement, il s'agit d'un règlement de compte à l'intérieur de l'affaire P2. Entre qui et qui? Bon, à la tête de P2, il y a Djeldi, Ortolani et des autres gens. Alors on peut dire que dans un nombre de 5-6 personnes, probablement il y a une information qui est passée à l'autorité suisse, à l'autorité internationale de police. Il ne fait guère de doute que c'est Roberto Calvi qui a fait verser des sommes importantes sur les comptes de Djeldi à l'UBS. Le président du Banco Ambrosiano aurait ainsi payé Djeldi pour la protection politique dont il avait besoin pour mener ses affaires financières louches. L'argent a transité par le réseau inextricable de sociétés montées par Calvi à l'étranger pour camoufler des mouvements de fonds colossaux et illégaux. Une banque à Lugano, la banque du Gothard. Une holding au Luxembourg. Des filiales aux Bahamas, au Nicaragua, au Pérou. Des dizaines de sociétés fantômes au Panama, au Luxembourg, au Liechtenstein. De Milan, des centaines de millions de dollars ont suivi un itinéraire compliqué vers les banques latino-américaines avant de se perdre dans les méandres des sociétés de Panama et de revenir financer les affaires clandestines de Calvi. Quand tout est découvert, le trou est gigantesque dans les comptes de la banque. 1 milliard 300 millions de dollars.
Calvi a utilisé cet argent pour ses opérations boursières secrètes et illicites. Les chefs de la P2 ont aussi largement bénéficié de cette manne. Des sommes considérables ont abouti dans les caisses des partis politiques italiens que Calvi arrosait copieusement. Mais on découvre qu'un autre responsable du trou, c'est le Vatican. Calvi s'est en effet attiré la pleine confiance du Saint-Siège. On le surnomme le banquier de Dieu. Il va en profiter. Il exploite l'absence quasi totale de contrôle de la part du Vatican sur la gestion de sa banque, l'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR. De plus, les autorités italiennes n'ont aucun moyen d'action sur l'IOR, car le Vatican est un État souverain. Les capitaux peuvent donc sortir impunément d'Italie. L'Église romaine manque vraiment de flair. Avant Calvi, son idole, c'était Sindona. Il ruolo dello IOR comincia nel 1972. Le rôle de l'IOR commence en 1972, après que, quand Michel Sindona, qui se trouve aujourd'hui en prison aux États-Unis, présente Calvi au président de l'IOR, Marcinkus. Calvi al presidente dello IOR Marcinkus. Cominciarono allora una serie di affari. C'est le commencement d'une série d'affaires et surtout d'une affaire la plus importante. Che è quello più importante. Nel 1972, questa è la spiegazione che è stata data ai cardinali dal Vaticano. En 1972, c'est l'explication qui a été fournie aux cardinaux par le Vatican. Le Banco Ambrosiano, le signor Calvi, demande un prêt de 45 millions de dollars. L'IOR accorda ce prêt avec un intérêt naturellement et il obtint en garantie les actions de deux sociétés bancaires. Lorsque Calvi rend cet argent, et je le répète, c'est l'explication qui a été donnée par le Vatican, il semble que l'IOR ne restitue pas ses actions et que Calvi ne les réclame pas. La Banque du Vatican reste donc actionnaire de ces sociétés. Puis, au gré d'autres transactions, elle se retrouve inextricablement liée au labyrinthe financier créé par Calvi pour ses escroqueries. Deux commissions d'enquête sont nommées pour débrouiller cet écheveau. Dans l'une, le Suisse Philippe Devec, ancien PDG de l'UBS, muet comme un coffre-fort. À la tête de l'IOR, l'archevêque américain Paul Marcinkus. Il est subjugué par Sindona et Calvi. Difficile de dire s'il a joué leur jeu par inconscience ou délibérément dans l'intérêt financier de l'Église. Marcinkus, qui dit vouloir retourner dans sa ville natale de Chicago, est-il un homme fini? Finito. Nella chiesa... Fini? Dans l'Église, personne n'est jamais fini. Dans l'Église, il y a une loi qui dit en latin... Promoveatur ut amoveatur, c'est-à-dire qu'on l'élève pourvu qu'on l'éloigne. Lui, certainement, quand cette histoire sera terminée, il lâchera l'IOR. Mais il restera pratiquement le gouverneur du Vatican et il sera nommé cardinal. À moins que ces commissions ne parviennent à découvrir qu'il s'est passé quelque chose de très sale par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Porco di quello che noi sappiamo oggi. L'IOR est lié à une autre opération de la P2, la prise de contrôle du grand groupe de presse Rizzoli et du prestigieux Corriere della Sera. Le groupe est au bord de la faillite. Il est sauvé par les capitaux injectés secrètement par Calvi. Commence alors une politique effrénée d'expansion. Andrea Rizzoli cède la place à son fils Angelo, membre de la P2. C'est dans ce contexte qu'une société Rizzoli est créée à Genève en 1978. À sa tête, deux avocats, dont le grand maître Alain Marty. Rappelez-vous, il ne connaît personne à la P2. Vous êtes pourtant administrateur d'une filiale à Genève du groupe Rizzoli, dont les dirigeants sont membres de la P2. Oui, mais il faudrait savoir d'abord que la personne qui nous a demandé d'ouvrir une société à Genève sous le nom de Rizzoli, ce n'est pas la personne qui vous intéresse. C'est son père, lequel est décédé depuis lors. Et à la faveur d'une assemblée générale qui est intervenue après son décès, nous avons constaté que la personne qui venait représenter ses actions les représentait tout d'un coup au nom du fils, qui vous intéresse lui,
et d'une banque qu'il est inutile de nommer, que vous avez deviné. Qui est donc la banque Ambroviano. Le groupe est placé sous tutelle judiciaire et en février 83, ses trois dirigeants sont arrêtés pour banqueroute frauduleuse. Angelo Rizzoli, son frère, et le directeur général Bruno Tassandin, lui aussi inscrit à la P2. Ne pensez-vous pas que vous avez pu être, en tant qu'avocat réputé à Genève et en tant que franc-maçon, utilisé à votre insu par le groupe de la P2 dans le groupe Rizzoli? Absolument pas, parce qu'en réalité, ce n'était pas mon client. Mais on sait maintenant que la P2 avait le contrôle effectif du groupe Rizzoli depuis 1977, donc avant la création de cette société à Genève. À l'époque où nous avons vu pour la première fois quelqu'un de ce nom à Genève, c'était feu M. Andrea Rizzoli et non pas son fils. À noter quand même que c'est le père, Andrea Rizzoli, qui a introduit Ortolani, le financier de la P2, dans le groupe. Aujourd'hui, le Corriere est à vendre. Mai 82. À la Bourse de Milan, les actions de l'Ambrosiano s'effondrent. Roberto Calvi est acculé, il risque la prison. À la tête de la P2, c'est l'heure des règlements de compte. Chacun pour soi. Le fils de Roberto Calvi, Carlo, est témoin des craintes de son père. Il était plutôt nerveux quand on faisait allusion à M. Gelli. Et en particulier, M. Gelli a téléphoné de nombreuses fois à la maison, et mon père refusait de lui répondre. Ainsi, nous avons eu la confirmation directe et indirecte du fait qu'on lui avait fait peur. Le 11 juin, Calvi disparaît. Le 18, on le retrouve pendu sous le pont des Frères Noirs à Londres, les poches pleines de briques. Rituel maçonnique, dira-t-on. Sa mallette bourrée de documents est introuvable. La veuve de Calvi accuse, c'est Gelli qui l'a récupéré. Hans Albert Kunz, un homme d'affaires genevois, a organisé le séjour de Calvi à Londres à la demande de Flavio Carboni. Kunz refuse toute interview, mais il nous a écrit « Je ne connais pas Gelli. J'étais en relation avec Carboni. Mais en affaires, on ne peut pas toujours distinguer les moutons noirs des blancs. » À Vesna, près de Genève, où il habite, Hans Albert Kunz croise souvent un voisin. Seule une route étroite sépare leurs deux villas. Il l'aperçoit aussi parfois dans des réceptions mondaines. Un personnage illustre, un de plus, qui apparaît dans cette affaire. Le prince Victor Emmanuel de Savoie, prétendant au trône d'Italie. Installé à Genève, à l'abri des regards indiscrets, le prince est aussi dans les affaires. Et tout près de Calvi, son nom figure dans la liste de la loge P2. J'ai jamais été membre de cette loge et je vais vous expliquer pourquoi je figure sur le grand livre ou le registre, comme vous dites, de la P2. À l'époque, je travaillais en Iran avec beaucoup d'entreprises italiennes et j'ai connu Gelli ici à Genève et il voulait faire de la promotion en Iran. Et comme j'avais déjà promu beaucoup d'affaires italiennes en Iran, je l'ai connu, il est venu. Je ne vous cache pas du tout, je l'ai connu. Nous avons dîné deux ou trois fois ensemble et il m'avait proposé certains groupes italiens pour l'Iran. Or, il s'est avéré que les affaires n'ont pas marché parce que n'ont pas marché, parce que ça arrive toujours. Et ça s'est arrêté à peu près à ce moment-là. Comment expliquez-vous la présence de votre nom sur cette liste alors? Oui, justement pour ça. Parce que je crois que c'était plutôt un carnet d'adresses presque, pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire qu'il avait fait des affaires non faites, en fait, avec moi. Et avez-vous été en relation d'affaires avec d'autres membres de la P2, Ortolani, Roberto Calvi? Oui. Attention.
Ortolani, oui. Parce qu'à cette époque, il était presque le secrétaire de Gelli. Et je l'ai rencontré ici, toujours à dîner, dans des restaurants à Genève. Mais Calvi, ça n'avait rien à voir avec, parce que Calvi, c'était, je l'ai connu avant, et c'était quand même un banquier qui travaillait beaucoup, d'ailleurs, avec les banques genevoises. Et je l'ai connu dans l'ensemble des banquiers genevois. Pas de doute, le climat de Genève profite aux hommes de la P2. Ortolani y achète appartements, villas, bureaux luxueux. Il disparaît à la mort de Calvi. Arrêté au Brésil, il est relâché grâce à un passeport brésilien. À Genève, son ami reste muette. 3 mois après la mort de Calvi, Gelli tombe à son tour. Et il se retrouve à la prison de Chandelon, à Genève. Une prison contestée qui a déjà connu bien des problèmes. Gelli a peur pour sa sécurité. Par les fenêtres, des détenus italiens lui lancent insultes et menaces. Climat difficile confirmé par le directeur Michel Hensch. Mais celui-ci ne s'explique pas comment Gelli a pu être photographié clandestinement à l'intérieur de la prison. Il se promenait seul dans une promenade de haute sécurité qui est une promenade... Qui est pénible. Nous l'utilisons plutôt comme sanction disciplinaire que comme un droit ou un privilège. Et lui demandait à se promener là pour éviter le contact avec d'autres détenus. Est-ce qu'il vous a donné l'impression d'un homme imposant ou plutôt... Non, absolument pas. Au contraire, moi je le trouvais effacé, Minus serait peut-être un peu fort comme appréciation, mais un peu dans cette direction-là. On a pourtant dit qu'il avait une habileté très marquée pour connaître psychologiquement ses interlocuteurs très rapidement. On l'a dit après. C'est une fois qu'il s'était évadé, qu'on a brodé, qu'on a raconté, qu'on a analysé la personnalité de Gelli. Avant, pas en tout cas, pas à notre niveau. Un Minus, le maître vénérable de la P2. Un génial manipulateur, disent plutôt ceux qui l'ont connu. Un marionnettiste se proclame lui-même Gelli. Mais il n'a pas la carrure d'un chef, ajoute-t-on. Il n'a aucun sens politique. Ne serait-il alors qu'une marionnette, lui aussi ? Cellule 151. Gelli tape à la machine des nuits entières. Ses textes sortent de la prison par paquets, grâce à un gardien qui l'a soudoyé et qui lui ouvre tout simplement sa porte pendant une ronde nocturne le 10 août 83. C'est trop simple. Personne n'y croit. Alors nous avons reconstitué la fuite de Gelli pas à pas dans les couloirs de la prison. Suivez-nous. Devant l'ascenseur, le complice de Gelli pointe. C'est la règle. Il est 2h43. Trois autres gardiens sont en poste dans d'autres secteurs de la prison. Et 4 dorment selon l'horaire normal. Les deux hommes traversent toute l'aile nord de la prison. Ils vont arriver à l'extrémité du bâtiment cellulaire, tout près du mur d'enceinte.
Jelly reste seul. Pour brouiller les pistes, il perce un trou dans le grillage. Des complices font de même à l'extérieur, de l'autre côté du mur. Mais une ronde de police découvrira ce trou un peu plus tard et alertera la prison. Jelly attend que son gardien prenne la garde dans le Mirador, puis il s'engage vers le parking de la prison. Il se faufile sous un dernier grillage et il se cache dans la camionnette du gardien. Au matin, dans la cellule de Jelly, la relève ne trouve plus qu'un mannequin, une seringue, un tampon d'éther. Une fois l'alerte donnée par la police, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien à la prison? Alors, le gardien qui est à la centrale téléphone, qui est en même temps le synoptique, reçoit l'appel de la police et il a une première bonne réaction, c'est-à-dire qu'il informe immédiatement ses collègues qui sont dans les deux miradors. Parce que nous n'avons pas vécu d'autres évasions, de nuit en tout cas, que par les fenêtres. Et depuis que nous surveillons en permanence les façades, nous n'avons plus eu d'évasion la nuit. Donc, dans son idée, c'est la seule possibilité. Il fait donc contrôler les façades, et on lui répond que les façades sont en ordre. Alors, ensuite, et c'est là qu'il y a négligence, la négligence dont la presse a parlé, c'est qu'il néglige d'informer son supérieur hiérarchique, qui, à ce moment-là, est au repos de manière parfaitement légitime, selon le programme de la nuit. Mais pas de fouille systématique, donc? Non. Et précisément, si le chef avait été réveillé, il y aurait eu fouille. Il y aurait eu des recherches plus importantes. Et pourtant, la police a appelé à plusieurs reprises par la suite. Et il se trouve que c'est chaque fois le même gardien qui a reçu ce téléphone et qui n'a pas eu cette réaction dont on se demande pourquoi il ne l'a pas eu, précisément. Est-ce qu'on ne peut pas parler de choses plus graves qu'une négligence, en l'occurrence? Je suis convaincu que non. À mon sens, c'est une négligence et il n'y a rien d'autre caché là-dessous. À 7 heures du matin, fin d'une longue attente, le gardien termine son service. Mais c'est l'imprévu. Alors, il semble effectivement que la camionnette du gardien soit tombée en panne, soit parce qu'il s'agissait effectivement d'une vraie panne, soit parce que le gardien était à ce point anxieux et crispé qu'il n'arrivait plus à mettre son véhicule en marche. Mais toujours est-il qu'il semble bien que deux autres gardiens aient dû aider à pousser la camionnette pour la faire démarrer. Le juge d'instruction Jean-Pierre Tremblay a pu reconstituer la cavale. Le gardien arrêté s'est mis à table. La frontière française est atteinte en quelques minutes, franchie sans encombre. L'alerte est donnée à 7h30, trop tard. À Étrembières, changement de voiture. Jelly retrouve son fils, Raffaello. Direction, aérodrome d'Annecy, où un hélicoptère conduit les fugitifs à Monaco. C'est là que se perd la piste suivie par le juge Tremblay. J'ai de bonnes raisons de penser que c'est bien de cette façon-là que les choses se sont passées. Étant rappelé que cet hélicoptère a été loué à trois reprises par le fils de Jelly sous la fausse identité de Deverini, ce décorateur qui a été interpellé et arrêté à Nice. L'hélicoptère a été loué tout d'abord une première fois les 21 et 22 juin pour une opération de reconnaissance, puis pour les 27 et 28 juin, l'opération a été annulée, et enfin
pour les 9 et 10 août où l'opération s'est faite. Or, il est formellement établi que c'est les trois fois, c'est le fils de Jelly qui a loué l'hélicoptère et qui en était, en tout cas, deux fois, le passager. Donc pour vous, ce serait une manœuvre trop importante pour créer simplement une diversion? Oui. Monsieur le Président, beaucoup de gens restent convaincus que l'évasion de Jelly était impossible sans d'autres complicités à la prison. Qu'en pensez-vous? Je n'en pense rien du tout. Ce que je sais pratiquement, c'est qu'un gardien a trahi. Un gardien a ouvert les portes, a fabriqué de fausses clés, a voulu emporter et a emporté le détenu Jelly dans son fourgon le matin de l'évasion, le 10 août dernier. Ce que je sais, c'est que des négligences ont eu lieu à la prison durant la nuit, la routine aidant, que l'évasion a failli, en quelque sorte, échouer, mais que la négligence aidant, un certain nombre de gardiens n'ayant pas fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire observer les directives, eh bien, le monsieur est parti. Pour vous, pas d'autre complicité, donc? Ce n'est pas à moi à déterminer s'il existe d'autres complicités pénales, c'est la justice pénale, réserve est en fait, bien sûr, la séparation des pouvoirs, à déterminer si, oui ou non, d'autres complicités ont été matérialisées à la prison. Ce que je puis affirmer, que j'ai appris après coup, c'est que le fonctionnaire en cause s'est fait promettre 2 millions de francs suisses pour perpétrer son délit. Vous aviez eu des soupçons contre ce gardien déjà? Oui, des soupçons, mais pas plus. Nous avons subodoré que peut-être il y avait des contacts entre Licio Gelli et ce gardien qui dépassaient un peu le cadre strict des fonctions du gardien. Étant donné la personnalité du détenu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déplacé le détenu ou même déplacé le gardien? Mais parce qu'à ce moment-là, tout d'abord, il n'était pas question d'imaginer une aide à une évasion. Il ne pouvait s'agir que peut-être de sortir une lettre pour Madame Gelli ou des délits ou des erreurs de service, mais qui, par rapport à une aide à évasion, restaient mineures. Et nous cherchions d'abord à avoir des preuves de ces fautes de service avant d'intervenir. Mais cela, couplé aux avertissements italiens de risque d'évasion, est-ce que ce n'était pas une raison suffisante pour déplacer Gelli? Non, parce que les avertissements italiens, qui nous venaient via Berne d'ailleurs, ont toujours parlé d'actions venant de l'extérieur, de commandos même violents, on a même parlé d'hélicoptères, et l'idée que simplement un gardien pourrait conduire Gelli pratiquement par la main jusqu'à l'extérieur de la prison ne nous a en fait jamais effleuré. Qu'en est-il des avertissements venus d'Italie sur l'éventualité d'une évasion? Ces avertissements étaient donnés en novembre 1982 et en février 1983, sauf erreur de ma part. Il y a chaque année à Genève pratiquement des dizaines de milliers de télex qui viennent, qui nous avertissent de tel ou tel événement possible. Parfois, ce sont des télex qui, donnés à la police, parlent d'indications données par des gens honorables, parfois moins honorables, des indicateurs à proprement parler. Et les quelques télex qui ont été adressés à Genève pour dire que M. Gelli préparait son évasion ont été pris au sérieux, on a fait des rondes de police, on s'est interpellé, il y avait des noms, les noms étaient vérifiés dans les hôtels. En vérité, ces télex ont été pris au sérieux, mais je rappelle, novembre 82, février 83. Il est exact que l'évasion aurait dû se dérouler à la fin du mois de juin, c'est-à-dire plus précisément le 28 juin. Pour diverses raisons, cela n'a pas été possible, et en raison des vacances du gardien, le projet a été remis à son retour de vacances, et c'est pour la raison pour laquelle il s'est déroulé au début du mois d'août. L'affaire passionne. On ne croit pas à la version officielle. Le téléjournal demande à Guy Fontanet s'il va démissionner. La gauche obtient une séance extraordinaire du Grand Conseil, la première depuis 35 ans. Le directeur de la prison doit partir, clame la gauche. Exploitation électorale, répond la droite. Traitement de faveur, sollicitude capillaire, lance le doyen Jean-Vincent. Il fait allusion aux cheveux teints de Gelli. Une commission parlementaire d'enquête est décidée. La majorité juge insuffisantes les explications de Guy Fontanet, qui souligne qu'il n'est pas seul en cause. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un transfert de Gelli dans une autre prison suisse? Tout à fait. Le tourisme pénitentiaire est un tourisme qui se fait souvent, mais M. Gelli était sous la responsabilité de la Confédération et la Confédération n'a pas voulu le faire. Certains pensent que Gelli n'est pas parti de son plein gré et qu'il serait aussi peu libre de ses mouvements aujourd'hui que par le passé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on ne peut encore exclure aucune hypothèse, mais rien en l'état de l'enquête ne permet de penser que Gelli aurait quitté la prison contre son gré.
il ne faut pas perdre de vue qu'il est établi que l'évasion a été organisée par Jelly lui-même et avec la collaboration d'un de ses fils. On voit par conséquent difficilement comment on pourrait admettre qu'il ait quitté la prison contre son gré. 9 jours plus tard, le tribunal fédéral accepte l'extradition de Jelly vers l'Italie en l'absence du principal intéressé. Mais il ne retient que 4 chefs d'accusation sur 15, ceux qui touchent au droit commun. L'évasion de Jelly, comment y avez-vous réagi? Ma, la nostra reazione è stata di chi ha visto il testimone più importante fuggire nel momento in cui... Notre réaction est celle de gens qui voient s'échapper le témoin le plus important au moment où nous l'attendions pour répondre à nos nombreuses questions. Jelly était le protagoniste de la P2 qui nous est apparu à ce jour le plus compromis et le plus significatif. Et certainement, sa fuite nous a privé d'éléments décisifs pour pouvoir conclure notre enquête et lui donner un sens. Alors, où est Jelly? Chacun sa version. On le situe en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, où il a de vastes domaines. D'autres sont sûrs qu'il est tranquillement planqué à Rome, en Sardaigne, à Genève, où il attend son heure. D'autres encore restent convaincus qu'il a été enlevé. Et on entend aussi que Jelly est déjà mort, peut-être, depuis longtemps. Mais pour certains, les rebondissements incessants de l'affaire ont trop duré. Ils se taisent obstinément. Ils ont peur du scandale, des représailles. Peur de ce gros titre. Jelly frappe encore. Nous sommes convaincus que la P2 est encore vivante. Qu'elle bouge, qu'elle agit, qu'elle se défend. Et on peut même dire qu'elle contre-attaque. Donc notre tâche n'est certainement pas terminée. Ça, c'est pas une affaire italienne, un scandale italien, mais je crois que c'est la vraie histoire du pouvoir en Italie dans les dernières 10 années. Alors on comprend comme des gens ont peur parce que ou sont dans le pouvoir ou ont peur de ce genre de pouvoir qui est très ramifié, très répandu dans toute la société et les institutions italiennes. Derrière ces murs, à la prison de Lausanne, le gardien qui a rendu sa liberté à Jelly n'est qu'un lampiste. Il ne sait rien. Les juges et les enquêteurs, en Suisse, en Italie, ne détiennent que des bribes de vérité. Les députés de la commission P2 sont freinés par les pressions politiques. Toutes les compromissions n'ont pas été découvertes, tous les noms ne sont pas apparus en plein jour. Et la grande réussite de Licio Gelli, c'est que personne ne semble vraiment pressé de le retrouver, lui et ses redoutables secrets.